number one. Azane Kaka, number one. La petite bête ne mange pas la grosse. Oui, enfin, ça c'est ce qu'on dit aux enfants pour les rassurer. Mais quand on regarde la nature, ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'y passe. Les petites bêtes sont parfois si féroces qu'elles réussissent à dévorer les grosses après des combats acharnés et sans merci. Mais avant de voir ces combats, vous aussi vous pouvez devenir un grand combattant en cliquant juste sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications et surtout, c'est gratuit. Si c'est fait, voici le 5 combats d'animaux sauvages incroyables. Combat entre 3 lions et un crocodile. Un touriste voyageant au Kenya a pu immortaliser les combats rares entre un crocodile et 3 lions. Les prédateurs se disputaient la dépouille d'un éléphant mort la nuit précédente. La nourriture est la principale cause des combats entre prédateurs. Au Kenya, la dépouille d'un éléphant a entraîné une bataille sans merci entre des lions et un crocodile. Dans les images capturées par un touriste le 6 août dernier, un jeune lion a fait face au reptile avant d'être aidé par deux lions. Après un court apaisement, les prédateurs se sont affrontés à nouveau. L'auteur de la vidéo a expliqué sur sa chaîne YouTube que le deuxième combat n'avait pas pu être filmé à cause d'une défaillance technique. Il a toutefois pu prendre des clichés. Le violent assaut de lion a eu raison du crocodile, s'avouant vaincu. Le reptile a finalement bâti en retraite, au grand bonheur des félins qui ont pu dévorer l'incroyable quantité de viande. Vol plané d'un lion attaqué par un buffle. Une nouvelle scène de chasse entre animaux sauvages a été filmée dans une réserve naturelle en Afrique du Sud. Des lions ont attaqué un buffle. Et malgré leur supériorité numérique et une lutte acharnée, le gros bovidé a réussi à s'échapper. Les lions ont la réputation d'être de redoutables prédatrices grâce à leur vitesse et leur habileté. Cependant, il arrive parfois qu'elles manquent cruellement d'expérience et puissent manquer, voire ne pas réussir à tuer leur proie. Une incroyable scène d'endurance entre un buffle d'Afrique et deux lions témoigne de cette lacune. Toute l'action se déroule à l'Ondolozi Game Reserve, en Afrique du Sud. Deux lions s'en prennent à un buffle, mais l'une d'elles va être projetée dans les airs par le gros bovidé qui est en train d'affronter un de ses congénères. Suite à cela, les deux prédatrices attendent un petit moment avant de se décider à tenter une nouvelle attaque. Combat à mort entre orques et requins-tigres. Dans une baie de Costa Rica, des plongeurs ont filmé une scène rare. Des orques prennent en chasse un requin-tigre puis partagent leur repas. Pourtant, les premiers sont pour nous bien moins effrayants que les seconds. Connu pour avaler sans discernement tout ce qui se trouve sur son chemin, et s'il fallait choisir entre plonger en compagnie d'une orque ou d'un requin-tigre, personne n'hésiterait et choisirait la mammifère noir et blanc. Un lion attaque un léopard. Manifestement dérangé par la présence d'un léopard mâle dans sa zone de la réserve sud-africaine de Sabi Sand, un lion a fait preuve d'intimidation et a chassé l'intrus au beau milieu de sa sieste. Alors qu'il arpentait la réserve naturelle privée de Sabi Sand, en Afrique du Sud, un groupe de touristes a eu l'occasion d'assister à une confrontation singulière entre un lion et un léopard. La scène, survenue au début du mois, a été filmée et diffusée sur la chaîne dédiée aux observations saisies dans les parcs nationaux Kruger et ses environs. Au travers la séquence, on peut voir le léopard se hisser tranquillement sur un petit promontoire de la réserve pour s'y prélasser. Au loin, le lion observe d'un regard inquisiteur la sieste du félin. Celui-ci semble visiblement dérangé par cette présence importune et finit par chasser l'intrus avec violence, interrompant simultanément la pause de ces derniers. Une mère hippopotame défend son petit. En Afrique du Sud, un photographe a assisté à une scène impressionnante. L'attaque d'un lion sur un jeune hippopotame et la contre-attaque de la mère du petit sur les prédateurs. Si les hippopotames ont la réputation d'animal le plus dangereux d'Afrique, ce n'est pas pour rien. Mais ces lions affamés l'avaient visiblement oublié. La scène a été filmée par un photographe dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. Alors qu'il s'est trouvé à proximité d'un cours d'eau, l'homme a repéré des lions qui se reposaient au soleil.
Non loin d'eux, s'est trouvée une famille d'hippopotames à laquelle ils ne semblaient pas prêter attention. Jusqu'à ce que certains individus ne s'éloignent du groupe. Les félins ont alors décidé d'attaquer. Visons d'abord un hippopotame adulte. L'un de lions a changé d'avis et s'est finalement attaqué à un jeune spécimen. Ce qui n'a évidemment pas du tout plu à sa mère. La femelle a alors chargé en pleine vitesse le prédateur qui n'a rien pu faire d'autre que s'enfuir. Selon les témoins, les lions sont repartis sans leur repas et le jeune hippopotame n'est présenté aucun signe de blessure grave. Lequel de ces combats est le plus spectaculaire? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu pour me faire plaisir, partage cette vidéo et surtout, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Quant à moi, je vous dis, je vous aime énormément. À nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!